Et salut tout le monde, ici Valonix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment avoir tous les objets gratuits qu'il y a dans l'événement de Manchester City. Donc en fait c'est littéralement un événement de Manchester City, donc ils ont juste renommé ça comme ça. Mais juste avant de passer à cette vidéo, je vais demander à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer ce type de vidéo. Et donc là on peut continuer. Donc le jeu auquel aujourd'hui on va jouer, c'est le jeu de Man City Blue Moon. Donc le lien de ce jeu sera dans la description si vous voulez rentrer. Et donc déjà, pour commencer, je vais vous montrer comment avoir le t-shirt. Donc il y a un t-shirt bleu de Manchester City. Et pour l'avoir, en fait, il faut rentrer dans un magasin. Je sais pas pourquoi, il y a mon personnage qui marche si lentement. Je pense que c'est parce qu'on est sur la lune. Et donc en fait, il faut rentrer dans ce magasin-là. Donc dès qu'on rentre, on va directement recevoir le badge. Donc comme vous pouvez voir, j'ai reçu mon badge et j'ai aussi reçu le t-shirt, vous pouvez le voir sur l'écran. Et en fait là, pour le prochain, ça va être ce genre de ovni avec deux extraterrestres dedans. Et pour l'avoir, en vrai, ça va pas être très facile. Il faut savoir que si vous regardez dans les quests ici, vous verrez que, donc en fait, il faut avoir 1000 points pour l'obtenir. Donc 1000 points, c'est ces petits genres de jetons qu'il y a autour du map. Je pense qu'il y a aussi un mini-jeu de foot ici, donc vous pouvez le jouer. Mais voilà, en fait, c'est comme ça que vous pouvez l'obtenir. C'est très difficile à le faire, donc je vais pas vous montrer comment je l'obtiens. Mais voilà, donc il faut en gros avoir 1000 jetons slash points. Et là, vous pouvez même voir qu'il y a des genres de quêtes à faire qui vous donnent des jetons. Donc celle-là, ils donnent 150, 50, 50. Donc vous pouvez obtenir comme ça. En fait, je sais pas trop ce que c'est les jetons en or. Je pense que ça donne un peu plus que comparé à les autres. Donc je vais juste l'essayer. Ah, donc apparemment ça donne 10 jetons, ok bon. Donc celles qui sont en or ça donne 10 et celles-là ça donne juste un seul. Donc voilà, il faut juste faire comme ça pour avoir des jetons. Et en fait là je vais vous montrer le dernier objet. Donc là pour l'instant, le moment où je le filme, il n'est pas encore disponible. Mais là vous pouvez voir qu'il dit que le portail il va s'ouvrir le 16 juillet. Donc si vous regardez cette vidéo après le 16 juillet, là il y aura ce portail qui va s'ouvrir et vous pouvez avoir vos drapeaux. Donc c'est l'objet des drapeaux que vous pouvez obtenir. Et donc à part ça, je pense pas qu'il y a d'autres objets gratuits. Mais s'il y en a, je serai sûr de les filmer. Mais donc voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'oubliez pas de lâcher un like, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer ce type de vidéo. Et aussi si vous voulez, vous pouvez vous rejoindre à mon serveur de Discord qui sera dans les commentaires épinglés. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous verrai dans la prochaine vidéo. À la prochaine.